C'est pas tout à fait la fin, Camille Garcette. Merci, Camille. Fréquence ESJ. Camille, vous savez, on adore vous faire des surprises. Si vous avez appelé mon père, je vous jure que je quitte l'émission. Eh bien, écoutez, je propose que la personne est avec nous au téléphone ou pas? Ah, mais Manon, elle avait un téléphone. Oh mon Dieu. Eh oui, vous l'avez pas vu. Manon Blangis qui était donc au téléphone. Monsieur, est-ce que vous nous entendez? Oui. Bonsoir, monsieur Garcette. Ah ouais. Papa. Je t'avais dit non. Il y en a qu'une, c'est moi. Mais oui, papa, tu seras toujours là. Ouais, donc mais tu vois, voilà, l'effet est un petit peu passé, voilà. Ton père est encore là, comme l'année dernière. Bon, l'année prochaine, c'est terminé. Ah, c'est mon autre père. Enfin, non. Bon, bah écoute, papa, ça me fait très plaisir, hein, comme d'hab. Hein. T'as écouté le rap un peu? Bon, on va discuter. Hein, si allez-y, allez-y, discutez. Mais... Allez-y. Alors, donc, justement, j'ai écouté le rap et je trouve que c'était pas mal. T'as été un petit peu, un tout petit peu nunuche. Je pense que t'as été. Je t'ai trouvé très léger, très, un peu trop gentil. Mais c'est très sympa pour tes petits copains, c'est pas du tout ce que tu dis à la maison. On aimerait bien savoir ce qu'il dit à la maison. Ah oui, d'accord. Non mais ça, je peux pas. Voilà, c'est très bien, je vous remercie moi tout surtout d'avoir donné cette chance de rapper à la radio. Ah oui. Ça l'a motivé. Je pense qu'il n'y avait plus que ça pour le motiver, pour faire quelque chose de sa vie. Donc merci. Merci pour nous. Bah, sinon, je vendais du shit. Donc, voilà. D'accord. Donc, c'est pas tardi quand même, Camille. C'est une blague. Oui. C'est, voilà. Et alors, moi, j'ai appris quelque chose sur votre père, Camille. Wilfried, c'est ça, Wilfried Garcette. Oui. J'ai appris. Moi, on m'a dit que vous rappiez avant, ou alors que vous rappez toujours. Non, moi je rappe plus, mais qui c'est Camille qui vous a dit ça? Papa, je te jure que je n'ai rien dit. Je te jure. Ne me tape pas, je n'ai rien dit. Mais en fait, tu es le seul en possession de cette information. Donc. Écoute, il se peut que je l'ai dit à ta stagiaire, par mégarde. Ouais. Manon Blangis, donc. Donc Manon Blangis. Ah, on balance les noms. Hein. Comme par hasard, qui est dans le studio et qui est, disons, assez proche de Lucas Pierre. Et donc ils ont dû peut-être avoir une conversation, mais. Ce n'était pas intentionnel de ma part. Bon, tout ça pour dire, en tout cas, déjà, je voulais vous remercier, Wilfried Garcette, parce que je rappelle que vous êtes en reportage au zoo de Beauval, c'est ça? Ah bah écoute, j'en sais rien. C'est pas le bon, merde, raté. Mais vous êtes, en tout cas, vous étiez en reportage aujourd'hui, c'est ça, hein? Ouais, je produis cette émission, donc j'étais là-bas, et oui. Voilà, je rentre ce soir. Bon, en tout cas, c'est dommage. Est-ce qu'on pourrait imaginer voir votre père rapper un jour, Camille? Écoutez, pardon, Lucas Pierre. Voilà, en fait, on commence à être coupé, je ne l'entends plus. Ouais, ouais. Et j'ai déjà rappé avec lui personnellement, mais devant des gens, je sais pas. Moi, j'aimerais beaucoup le voir rapper. Eh bien, écoutez, si le 29 juin. Ouais, les gens sont chauds derrière. Ce serait cool, ce serait très cool. Ah oui, voilà. Ah oui, rap. Un rap du père de Wilfried Garcette, ce serait pas génial, ça? Du père de Wilfried. Du père de Camille Garcette, pardon. Ce serait pas énorme. Bah écoutez, je lui en parle. Promis, dès que je rentre à la maison ce soir, on va organiser tout ça. Et puis, je pense que ça va être. Vous pouvez vous retourner, Camille. Pour bientôt. Wow. Yes! Wilfried Garcette est donc avec nous dans le studio. Alors, c'est l'heure de verser la larme, Camille. C'est l'heure, ça y est. Alors, Wilfried, je vous invite à vous asseoir juste ici. Parce que oui, Camille, on aime vraiment les surprises pour vous, on adore ça. En vrai, je me suis dit, ouais, bon, ils vont l'appeler, ok, bah, il y a d'autres choses à faire que ça, quoi. Juste, Camille, est-ce que vous pourriez donner votre casque? Comment ça à votre père, s'il vous plaît. Écoutez, tiens, papa. Alors, la radio, bonsoir. Faut parler. Bonsoir. Alors, comme vous pouvez le constater, il ne me ressemble absolument pas. Genre, je ne suis pas son père. Attends.